Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Salut YouTube, c'est Tricker. Et avant de vous laisser pour regarder ce nouvel épisode du Let's Play de FIFA 12 Champions League, eh bien, je me devais d'adresser un petit message en la mémoire de Thierry Roland qui nous a malheureusement quitté il y a quelques jours, célèbre commentateur sportif de football. Donc c'était vraiment un personnage que j'appréciais parce que c'est, je peux le dire, grâce à lui que j'ai eu la passion du football. Je me rappelle encore de ce match, premier match de foot que j'ai regardé entre Lyon et l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. C'était lui qui commentait et vraiment j'ai eu cette passion. Je pense que c'est également grâce à ses commentaires qu'elle a été transmise. Et je pense que pour beaucoup d'enfants, c'est lui qui a permis beaucoup d'enfants français à aimer ce sport. Donc voilà, c'était en quelque sorte mon petit message d'hommage en sa mémoire. Je vous laisse sur ce pour ce troisième match, pour ces huitièmes de finale de ce Let's Play sur FIFA 12 Champions League. Je vais y arriver. Et sur ce, eh bien, à la prochaine. See you next time. Eh bien, salut à toutes et à tous, chers téléspectateurs. C'est Tricker pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième rencontre de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, où on retrouve ce soir le Zénith Saint-Pétersbourg et le club portugais du Benfica. Donc nous allons tout d'abord demander à notre expert son avis sur la rencontre. Alors bonjour Tricker. Alors pour moi ce soir, le club portugais du Benfica sera favori pour cette rencontre, car il est clair et net que leur jeu est beaucoup plus offensif et beaucoup plus axé sur l'attaque que leur adversaire, c'est-à-dire le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg, connu pour sa défense et son nombre incalculable de joueurs internationaux. Donc on verra que dans cette équipe russe, on joue en 4-3-3 bizarrement ce soir, avec tout de même à surveiller Karzakov en pointe. Côté Benfica, à noter que c'est un 4-2-2-2 où il faudra faire très attention à Cardozo, le buteur incontestable de cette équipe. Eh bien, merci à notre cher expert pour toutes ces informations. La partie vient de débuter. Le coup d'envoi a été donné par le club portugais de Benfica qui va tenter de mettre la pression d'entrée de match. Et c'est bien parti avec Bruno César qui est parti sur le côté gauche qui centre. Il est tout seul dans la surface, Cardozo. Oh là 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 là. Eh bien, énorme première occasion dans cette rencontre avec ce centre qui arrive dans les pieds de Cardozo. Et la reprise qui a été manquée par Bruno César, énorme arrêt de Zevnov, le gardien russe. Alors à noter que nous avons beaucoup de problèmes de réception d'image avec la chaîne russe, ce qui est un petit peu dommage étant donné qu'on ne voit même pas le score et l'heure de la rencontre. Alors que là, le club russe vient de rentrer dans la surface, c'est Fezulin qui vient de frapper l'ailier gauche de cette équipe qui là a été contré je crois du dos par Luizão. Ce sera un corner plutôt bien tiré par Lomberts qui a détourné et le ballon qui va être renvoyé par Rodrigo. Mauvaise relance puisque c'est Kanunikov qui vient de donner un bon ballon vers Karzakov, l'homme le plus dangereux sur le plan offensif côté russe. Fezulin qui centre sans problème pour Matic qui peut relancer vers Witzel. Oh, la mauvaise passe s'est rendue à Denisov, l'international russe. Et on repart avec Anioukov. Anioukov pour Bruno Alves qui est international portugais, bizarrement donc, qui n'est pas avec le club portugais du Benfica puisqu'il a été transféré il y a peu de temps de Porto au club russe du Zénith Saint-Pétersbourg. Alors que là il y a une belle occasion pour le club portugais, la passe en profondeur n'est pas bien donnée et c'est le belge Lomberts qui peut redonner ce ballon à Zenov. Ubokan qui va aller rejouer avec Shirokov. Bon crochet de Shirokov et c'est Pereira qui fait parfaitement la récupération, mais Shirokov était derrière et c'est lui qui envoie une nouvelle fois Fezulin. Fezulin qui temporise et qui trouve parfaitement Denisov, la frappe. Ouh, qu'elle était belle, une belle frappe longiligne, vraiment pure, et qui arrive malheureusement dans les bras d'Arthur Moraes, le gardien de cette équipe du Benfica. Et on repart côté russe avec Anioukov. Anioukov, et là c'est une belle récupération de Gaëtan, mais qui lance mal dans la profondeur, et c'est Lombert qui récupère une nouvelle fois ce ballon. Zevnov qui écarte sur le côté droit, on va repartir côté russe. Belle entame de match des deux côtés. On essaie vraiment de créer du jeu et on sent qu'il y a vraiment une
véritable volonté de s'avancer. Alors que là, il y a une magnifique frappe. Ouh là là, la belle frappe signée Zirianov, je crois. Magnifique frappe. Déjà deux belles frappes côté Zénith Saint-Pétersbourg. Récupération de Karzakov qui lance un bon ballon. C'est bien stoppé de la part de Pereira. Bon ballon encore une fois pour Karzakov. La frappe. Oh là 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 là. Les Russes qui commencent à vraiment dominer cette rencontre. Magnifique frappe d'Alexandre Karzakov, l'international russe. Oh là là, magnifique frappe qui touche le montant gauche. Et ça frôle vraiment le but d'Arthur Moraes. Énorme occasion. Et une nouvelle belle occasion avec Kanounikov. Les relances sont très mauvaises dans ce début de match de la part des joueurs du Benfica. Kanounikov qui crochette et s'est récupéré à la dernière minute et à la dernière seconde par Garay, l'ancien joueur du Real Madrid. Et on relance en contre avec Oscar Cardozo. Cardozo qui tente de temporiser. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, non, c'est mal joué de la part de Cardozo. C'est mal joué. C'est Ubokan qui peut relancer avec Shirokov. Shirokov, c'est bien construit hein, pour le moment de la part des Russes. C'est très bien joué. Shirokov, va-t-il trouver une solution? Il commence à accélérer. Oh, le bon ballon dans la profondeur. Et c'est Garay qui s'interpose. Bon début de match de la défense du Benfica, même s'il faut faire attention car il y a déjà eu de belles frappes. Denisov avec Shirokov, les relances sont vraiment très mauvaises en revanche. Même si on stoppe plutôt bien les offensives russes, les relances sont très mauvaises et on ne peut pas trouver Cardozo et ses coéquipiers. Oh, le bon décalage, Kanounikov, la frappe, et c'est magnifique cet arrêt d'Arthur Moraes. Mais là, les Russes, eh bien, créent une véritable surprise puisque c'est eux qui dominent et qui ont la possession de balle en ce début de match. Ce qui n'était véritablement, c'était vraiment pas prévu. Et même notre expert semble s'être trompé. Kanounikov en contre avec ce bon ballon dans la profondeur. Il n'est pas hors jeu. Karzakov, le bon contrôle. Ouh là 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 là. Quel début de match. Et on sent que là, après 21 minutes de jeu, on vient de voir pendant un léger instant le temps. Eh bien, on voit bien que le Benfica n'est véritablement pas rentré dans son match. Et pourtant, ils sont considérés comme favoris de cette rencontre. Les Russes qui, eux, sont très appliqués, très concentrés. Et il y a une véritable envie d'aller gagner ce match sur leur pelouse. Et véritablement de créer, de se faire une belle marge. Et pourquoi pas une option vers les quarts de finale. Le centre, ouh là 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 là, c'est un petit peu dangereux ça. Ouh, Denisov qui nargue un petit peu son adversaire portugais. Belle récupération avec Bruno César qui décale Rodrigo. La frappe, c'est contrée par Bruno Alves. Et c'est bien joué. La relance avec Luisao. Non, c'est Luisao qui a parfaitement intercepté ce ballon. C'est pour Rodrigo. Le bon ballon dans la profondeur pour Bruno Alves. Et c'est Bruno César. Et c'est stoppé par Bruno Alves. Très bon début de match du défenseur portugais du Zénith Saint-Pétersbourg. Et déjà un double changement après moins de 30 minutes de jeu. C'est Bruno César et Rodrigo qui viennent d'être remplacés par Saviola et Aymar, les deux Argentins. Ouh, beaucoup de tête de Garay qui fait un bon début de match, l'ancien madrilène. Mais ce double changement qui intervient très tôt montre que l'entraîneur du Benfica n'est véritablement pas content de ses joueurs. Puisque ils ne sont vraiment pas appliqués. Et c'est pour ça qu'il vient de faire entrer deux joueurs d'expérience que sont Javier Saviola et Pablo Aymar. Alors que là, il y a une position de hors-jeu pour Cardozo, je crois. Dommage car elle était en belle position. Et c'est Bruno Alves qui va relancer le ballon. On va voir si les Russes vont pouvoir concrétiser avec un but ce très bon début de match. Allez, le ballon qui va être pour Kanounikov. Emerson a raté son coup et le grand pont est manqué. Bien joué de la part de Emerson. Aymar qui relance. C'est bien joué avec Javier Saviola qui va tenter de temporiser. Il trouve Cardozo. Cardozo, que va faire Cardozo? Il écarte là-bas avec Gaïtan, l'Uruguayen. Pereira, le bon centre. Et c'est bien défendu de la part d'Anioukov. Mais le ballon est encore une fois dans les pieds des joueurs du Benfica. La frappe démarre. Et c'est le but! C'est l'ouverture du score après 30 minutes de jeu contre le cours du temps. C'est Pablo Aymar, l'Argentin. D'une frappe alors qu'il est vraiment... il n'est pas du tout en équilibre. Il tire parfaitement. Une belle frappe croisée qui trompe le gardien Zevnov. Et là, c'est sûr que c'est un coup dur pour les Russes. Puisque c'est eux qui dominaient ce début de rencontre. Et bien, 1-0 après 30 minutes de jeu. Coaching payant pour l'entraîneur du Benfica avec ce double changement très tôt dans le match. Et but donc de Pablo Aymar. Le joueur argentin. Très bien joué de sa part.
C'est Ubokan qui va relancer côté Zénith Saint-Pétersbourg. Denisov. Allez, on écarte la mauvaise passe. C'est Emerson qui a fait l'intervention. Denisov qui relance un bon ballon vers Kanonikov. Belle intervention des Portugais. Qui là, qui ont fait un véritable bon coup. J'ai réussi à placer ma phrase. Voilà. Allez, la relance côté Zénith Saint-Pétersbourg avec ce bon ballon. Ça va être trop long pour Kanonikov. C'est dommage. Mais vraiment, il faut continuer comme ça côté Zénith Saint-Pétersbourg. Car ils ont fait une très très bon, vraiment une première période qui est vraiment très bonne, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à concrétiser avec un but, et c'est le club portugais qui en a profité de son côté avec l'ouverture du score. Mais il ne faut pas se relâcher en tout cas. Bon ballon qu'on écarte sur le côté avec Pereira, il va centrer, c'est stoppé par Obokan. Bon travail de la défense du Zénith Saint-Pétersbourg. Corner intéressant avec Luizão notamment qui est monté, le Brésilien, c'est lui qu'on trouve de la tête, c'est Kanonikov qui repousse comme il peut. Faire attention quand même à pas se prendre un deuxième but côté les Zénith Saint-Pétersbourg, ce serait vraiment dur après de revenir dans le match. Pablo Aimar, c'est reparti avec Matic, bon ballon vers Saviola, la frappe et c'est contré par Bruno Alves. Gros travail défensif du stopper et international portugais. On écarte avec ce contre Fezouline avec Chirokov pour Denisov, et c'est Luizão qui a parfaitement anticipé cette occasion. Le bon ballon dans la profondeur, on joue en 1-2 avec Saviola, c'est stoppé, non c'est pas fini et c'est récupéré par Aniou Denisov cette fois-ci. Denisov avec Bruno Alves, Aniukov, on écarte là-bas avec Chirokov. Zirianov désormais qui va décaler Ubokan. On essaye vraiment de s'infiltrer dans cette défense. Là il y a un surplus numérique, le bon ballon pour Karzakov. Ah, très bon tacle encore une fois de Garay qui fait un super match pour le moment, l'ancien madrilène. Il a parfaitement anticipé le crochet de Karzakov et c'est reparti de l'autre côté avec l'intervention cette fois-ci de Ubokan. Ubokan qui va trouver sur le côté Fezouline. Le bon ballon vers Zirianov. Le contrôle est très mauvais. Et c'est encore une fois Garay qui est à l'interception. Super début de match pour le défenseur du Benfica. Alors que là, on essaye de trouver une solution sur le côté. Le ballon est poussé trop loin par Gaëtan. Et c'est une sortie de but. Dégagement pour Zevnov, le gardien du Zénith Saint-Pétersbourg. La fin de cette première période va bientôt être sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Peut-être une dernière occasion avec Cardozo et Kemar. Oula, belle intervention des joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg. Fezouline avec Zirianov. Allez, pourquoi pas une belle occasion là juste avant la fin de cette rencontre. Le ballon en profondeur est mal donné et ce sera même une touche pour les joueurs du Benfica. Les joueurs du Benfica qui ont joué, qui n'ont pas forcément bien joué, qui n'ont pas eu véritablement le contrôle de la balle comme on l'aurait pensé. Mais au final, c'est tout de même eux qui mènent 1-0. Dans cette rencontre, la Fezouline qui rate complètement sa passe, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Pereira qui joue très rapidement cette touche avec Witzel. Witzel qui va temporiser avant le coup de sifflet. Allez, belle passe sur le côté avec Pereira. Pereira pour Cardozo. Cardozo, il va décaler là-bas Aimar, le bon ballon pour Saviola, c'est stoppé par Anukov. Et c'est vrai que mis à part l'occasion à la première minute de jeu, alors que là il y a un très bon ballon pour Karzakov, on y reviendra après. Karzakov et la très bonne sortie d'Arthur Moraes. En tout cas une première période totalement dominée par les Russes, mais c'est pourtant eux qui sont menés 1-0 en termes d'occasion. Il y a quand même eu une domination des joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg. Mais mis à part le but et l'occasion à la première minute, c'est vrai que les joueurs du Benfica n'ont pas eu de véritable occasion. Tandis que les Russes, eux, se sont offerts plusieurs belles frappes, plusieurs belles actions. Mais ça n'est pas rentré, notamment la belle reprise de Karzakov sur le montant droit d'Arthur Moraes. Les chiffres, bien 7 tirs de chaque côté, 5 tirs cadrés de toutes parts. Une possession qui est un léger avantage pour le Zénith Saint-Pétersbourg. 54% face à 46%. Pas de faute ni d'un côté ni de l'autre. En précision de tir, on est donc à égalité. Au niveau des passes, c'est relativement équilibré. Un match équilibré pour le moment, c'est le terme. Pour conclure cette première période, on va voir si ça va changer.
1-0 donc pour Benfica à la fin de ces... au début de cette seconde période. Coup d'envoi donné par les joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg. 1-0 donc pour Benfica grâce à Pablo Aimar. Alors que là, on commence tout de suite à repartir côté Zénith Saint-Pétersbourg. Ballon dans la profondeur. C'est Luisao qui fait l'intervention et on repart avec Matic. Matic pour Gaëtan. Oula, ça joue bien en 1-2 là-bas. Cardozo dans la profondeur, c'est magnifique. La reprise de Saviola, énorme occasion. Et quelle construction, on voit que ça a été travaillé à l'entraînement. Magnifique, et dommage que la reprise de Saviola s'envole littéralement dans les tribunes du stade du Zénith Saint-Pétersbourg. Vraiment, si ça avait été au fond des cages de Zevnov, ça aurait été un magnifique but. Fezulin sur le côté qui envoie dans la profondeur Kanounikov. Emerson qui intercepte ce ballon et renvoie d'Arthur Moraes sur le côté. Et voilà, là il y a un bon contre à jouer avec Zirianov qui trouve Fezulin. La belle petite passe, c'est Luisao encore une fois qui intercepte Gaëtan. Gaëtan avec Matic. Allez, c'est bien ça, ça commence à jouer vite. Encore un bon ballon dans la profondeur, c'est Tanyukov qui détourne de la tête et c'est Zevnov le gardien qui a repoussé de la tête. Dégagement un petit peu périlleux côté russe, alors que là il y a un bon contre à jouer avec Karzakov. Magnifique ballon pour Fezulin. La frappe, oulalalala. Arthur Moraes qui a encore eu très chaud, le gardien portugais, qu'il a été vraiment pas loin de se prendre un but. Magnifique frappe de Fezulin, malheureusement elle n'est pas cadrée. Mais c'est vrai que les joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg mériteraient quand même de marquer vu la domination dont ils font preuve. Bon ballon tout de même pour Cardozo. Cardozo, la frappe, oh, c'est magnifique. Et bien voilà, contre le cours du temps, encore une fois, c'est Cardozo qui vient clouer un deuxième but. Quelle frappe surpuissante de l'attaquant du Benfica. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette frappe. Oh là 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 là, quelle frappe, elle retombe à une vitesse incroyable. Et là, situation très compliquée pour les joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg qui sont désormais menés 2-0 sur leur pelouse. Les quarts de finale sont en train de s'envoler pour le club russe, mais ce n'est pas fini tout de même et elle repart tout de suite à l'attaque. Malheureusement, cette action est annihilée par une très bonne défense portugaise. Rien à dire pour le moment, la passe n'est pas du tout à s'appuyer, c'est Pereira qui intervient avec Witzel en contre. Oh, ça joue bien, ça joue très bien hein, dans un petit périmètre, des très belles passes. Cardozo qui rejoue avec Gaëtan, il va pouvoir écarter, non il frappe, c'est dans les gants de Zevnov sans souci et on renvoie vite au pied. Allez, le long dégagement avec Kanounikov, ça c'est bien joué. Zirianov, le bon ballon, allez Kanounikov, il a une véritable occasion de but, la sortie d'Arthur Moraes. Et Kanounikov, et c'est le but. Et bien voilà, les Russes qui se relancent tout de suite dans le match à la 58e minute de jeu. Kanounikov qui à deux reprises a réussi à marquer. Magnifique, hein, puisque la première, Arthur Moraes est sorti très rapidement. Il a réussi à repousser le ballon, mais Kanounikov a réussi à frapper en vitesse dans un petit angle. Et Luisao n'a pas eu le temps d'aller couper la trajectoire de sa frappe. 2-1, les Russes n'ont pas dit leur dernier mot. Il reste encore plus de 30 minutes de jeu avant la fin de ce match. Et on repart tout de suite encore une fois avec Karzakov. Karzakov avec Fezulin. Fezulin dans le duel. Bien joué, il s'impose Fezulin. C'est pas fini avec Zirianov. Karzakov, belle intervention de Luisao qui fait un excellent match. Excellent match du Brésilien Luisao. Et on repart en contre avec ce bon ballon. C'est hors jeu pour Saviola. C'est dommage. Il y avait une belle intention en tout cas de la part de Pablo Aimar et de Saviola. Toujours pas de changement côté Zénith Saint-Pétersbourg. On verra s'il y en aura au cours de ce match. Oh là là, la mauvaise passe, c'est pas bien joué. Et Cardozo qui n'en profite pas. Ballon rendu à Bruno Alves. On va repartir avec Zevnov. Zevnov qui écarte là-bas avec Ubokan. Allez, on décale sur ce côté gauche. Bien joué, c'est magnifique. Très belle construction de jeu avec Shirokov. Le milieu de terrain... Et belle intervention de Garay, il n'y a pas de faute, très bien joué, il a très bien joué le ballon. Super match de Garay, il y avait beaucoup mieux à faire côté russe, parce que Shirokov aurait dû donner son ballon avant. Allez, on essaye de jouer vite en contre, côté Benfica, ça n'a pas marché. Et belle intervention de la défense, et le contre avec ce ballon renvoyé par le gardien Zevnov. La touche pour les joueurs du Zénith Saint-Pétersbourg désormais avec Ubokan. Et Ubokan qui... donne un bon ballon vers Fezulin. Oulala, il a été accroché. L'arbitre ne siffle pas de faute. Karzakov
qui va jouer avec Denisov, le bon ballon dans la profondeur, la frappe qui manquait. Oui, c'est le but! Et bien voilà, 65e minute de jeu. Et le Zénith Saint-Pétersbourg revient dans le match en l'espace de 7 minutes de jeu. Magnifique ce ballon donné par Denisov qui trouve Kerzakov, le buteur. On l'a dit, il était très dangereux ce joueur. Et bien là, c'est lui qui vient marquer ce but important. Alors que là, c'est Gaëtan qui est parti en touche. Dommage, il y avait une belle action à jouer pour les Portugais. C'est mal joué. Et les Russes qui, en l'espace de 7 minutes, sont revenus dans le cours du match. Et ce n'est pas fini dans cette rencontre. Il reste encore beaucoup de temps, environ 25 minutes de jeu. Alors que là, il y a une véritable espace. Oh, la frappe! Oh, magnifique! On entend même le bruit d'ici, de la transversale. Quelle frappe magnifique! Les Portugais qui ont failli reprendre l'avantage. Un match totalement faux, avec déjà 4 buts. Eh bien, ça, on peut s'attendre à une finale splendide. On va voir comment ça va se profiler. Le ballon, il y a une faute de... Non, l'arbitre a laissé l'avantage, mais ils n'en ont pas profité. Et la relance de Luizão. L'intervention de Fezuline, mais Luizão va pouvoir relancer une nouvelle fois avec Witzel. Witzel sur son côté avec Pereira. Witzel, belle intervention de Chirokov. Ça joue bien dans un petit périmètre. Là, il y a des petites passes en une touche de balle. C'est très bien joué. De la part des Russes, Denisov qui récupère un bon ballon avec Kerzakov. Oh là là, il n'en a pas profité. Alexandre Kerzakov, il y avait beaucoup mieux à faire. Pereira qui relance avec Gaëtan. Gaëtan sur le côté avec Saviola. Belle intervention de Anioukov, mais Aymar est à la reprise. Et on s'en sort bien encore une fois côté Benfica. Ouh là là, la mauvaise passe d'Anioukov, c'est pour Gaëtan. La profondeur pour Cardozo, ils n'en profiteront pas sur cette belle occasion. Les Russes là qui se sont fait une petite frayeur. Ouh là là, le mauvais renvoi de Zevnov. Avec Cardozo, il a une solution au centre. Et Alves qui intervient parfaitement. Super match également de Bruno Alves qui peut relancer ce ballon avec Zirianov. L'arbitre qui touche ce ballon, mais on poursuit le contre. Denisov, le bon ballon dans la profondeur. Kerzakov va plus vite que Luizão face à face avec Moraes. Et c'est le but! 3 buts à 2. Scénario totalement fou dans ce match puisque Kerzakov donne cette fois-ci l'avantage au club russe du Zénith Saint-Pétersbourg à un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Quel but magnifique de Kerzakov qui lobe d'une magnifique balle piquée Arthur Moraes. Les joueurs du Benfica qui menaient 2 buts à 0. Doublé donc pour Kerzakov. Grosse performance pour le club du Zénith Saint-Pétersbourg qui revient d'on ne sait où. Mais ils étaient menés 2 buts à 0. Et les voilà qui mènent désormais 3 buts à 2 dans ce dernier quart d'heure. On va voir si le club portugais aura les ressources suffisantes pour aller chercher le point du match nul. Alors que là, il y a une situation de hors-jeu pour Cardozo. On se rapproche donc de l'épilogue de cette rencontre. Comment va se terminer ce match totalement fou? Alors, l'on renvoie là-bas, c'est Garay, l'ancien madrilène. Alors qu'on voit que... je crois que c'est... Oui, effectivement, c'était Denisov qui se plaignait. Donc, c'est quoi? Oh, la belle frappe! Et c'est la transversale qui touche le montant. Énorme occasion pour Cardozo cette fois-ci. Eh bien, ils avaient une véritable occasion de revenir à 3 buts partout. Énorme sensation, alors que là, un contre est en train de se jouer, mais il va finalement aller dans les bras d'Arthur Moraes. Énorme match, et c'est déjà la deuxième transversale pour le club portugais. Quel match totalement fou. Là, il n'y a vraiment pas d'autres mots pour décrire cette rencontre. J'espère que vous, chers téléspectateurs, vous avez le même plaisir à regarder cette rencontre que moi-même. Alors que là, on est rentré dans les 10 dernières minutes de jeu. Ouh, la belle occasion, la belle construction Cardozo. Oh là 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 là, c'est une véritable passe pour Zevnov. Dommage, c'était une belle occasion pour revenir à 3 partout. On sent que les joueurs de Benfica se sont tous rués vers l'attaque et essayent d'aller égaliser. Et ça paraît quand même assez compliqué. On repart côté russe, mais c'est bien anticipé par Emerson qui relance l'attaque avec Aymar. Aymar avec Saviola. Aymar sur le côté qui trouve à nouveau Saviola. Va-t-il centrer? La belle passe vers Cardozo, il se retourne. Et c'est... Oh là là là, cafouillage total, il bute! But pour Cardozo à 6 minutes de la fin de ce match. Et bien voilà, pour clore un match totalement fou, il faut un but totalement fou. Et c'est Cardozo qui y va de son doublé comme Kerzakov. On a vu hein, que ça a touché le montant, puis ça a retapé le dos du gardien Zevnov, qui l'a sauvé sur la ligne. Il n'a pas pu la capter
dans ses bras et c'était Cardozo qui était à la reprise et qui est allé marquer. Ben, c'est pas le but le plus académique, dirons-nous, depuis le début de cette Ligue des Champions, mais qu'est-ce qu'il est important pour le club de Benfica qui revient à 3 partout désormais. Rendez-vous compte, 3 partout, c'est un match totalement dingue, mesdames et messieurs. Alors que là, il y a une nouvelle occasion avec Pablo Aimar, peut-être pour clore la rencontre. L'arbitre qui ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Il ne reste plus que 4 minutes de jeu et c'est reparti avec Gaëtan pour Cardozo. Cardozo avec Aimar, il crochette Gaëtan, il rentre dans la surface. La frappe, énorme arrêt de Zevnov. Ça aurait pu tourner à l'avantage de Benfica cette fois-ci. Mais non, c'est reparti avec Gaëtan qui décale. La frappe d'Aimar. Oh là 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 là, l'Argentin tout proche de marquer. Voilà, il ne reste plus que 2 minutes de temps de jeu. C'est incroyable et on va faire un... Eh bien, on va faire d'abord un changement avec l'entrée en jeu de Semak qui a joué en Ligue 1, il ne faut pas l'oublier. C'est Mac Lukovic également qui fait son entrée. Et Bistrov, que des internationaux russes hein, qui vont faire leur entrée. Bistrov, c'est Mac. Ah non, il y a Lukovic également qui n'est pas russe. Mais là, triple changement à 2 minutes de la fin du match. Je ne sais pas s'il y a un réel intérêt. Donc c'est Ubokan, Shirokov et Zirianov qui font leur sortie. Et c'est reparti avec Bruno Alves, l'international portugais qui rejoue avec Anioukov. Anioukov sur le côté pour Denisov. Allez, ça joue en 1-2, c'était bien joué, mais c'est Emerson qui repart. Il envoie dans la profondeur Saviola. Saviola qui va peut-être pouvoir centrer. Il décale au centre. Witzel avec Gaëtan. C'est stoppé par Semak. Bon travail. Et le contre avec Kanounikov. Allez, la dernière occasion sûrement pour les joueurs du Zenit Saint-Pétersbourg. Bon ballon avec cette petite balle piquée pour Karzakov. Ouh, c'était chaud. C'était chaud, mais ils s'en sortent bien. Et contre, cette fois-ci, côté Benfica avec Matic qui a trouvé Saviola. Saviola qui va rejouer avec Aimar. Aimar, là-bas avec Cardozo, c'est stoppé par Lombertz, l'arbitre qui met son sifflet à la bouche. Fin de cette rencontre totalement folle. Comme vous pouvez le constater, 3 buts partout. C'est Benfica qui avait ouvert le score, qui a même doublé la mise à la 54e minute avec un but d'Oscar Cardozo. Puis, eh bien... scénario totalement inverse puisque Kanounikov à la 58e et Karzakov à 2 reprises a permis vraiment au Zénith de mener 3 buts à 2 et c'est dans les toutes dernières minutes que Cardozo est allé planter un 3e but pour le club de Benfica et un 2e but personnel. 3 partout, match totalement dingue mesdames et messieurs, c'est la rencontre pour le moment de ces 8e de finale où il y a eu le plus de buts. J'espère qu'elle vous aura aussi plu qu'à moi. A noter que lors de la dernière rencontre entre Lyon et l'Apoel Nicosie, le joueur qui a été élu homme du match, c'est le portier des Gones, Hugo Loris, qui a été donc élu par vous, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de voter pour votre homme du match pour cette rencontre. Je le répète encore une fois, j'espère que cette rencontre vous aura plu. N'hésitez pas à revivre ou à revoir nos rencontres sur notre chaîne. Eh bien, à bientôt. Ici Saint-Pétersbourg, à vous Paris, à vous les studios.